Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo sur Red Dead Online. Aujourd'hui on ne reviendra pas sur la mise à jour qui a eu lieu la semaine dernière de la part de Rockstar puisque de mon côté je n'ai noté aucun changement, toujours des bugs d'animaux, il y a même des bugs de camps qui seront ajoutés pour moi alors qu'avant je n'étais pas du tout embêté. Dans cette vidéo on va revenir sur deux cas spéciaux, c'est les vacances et voilà notre premier cas, attention il est chaud, il a juste quelques petites difficultés pour viser, vous allez vite vous en rendre compte. Alors j'ai pas noté, j'ai oublié de passer voir un petit peu quel niveau il était, on peut voir qu'il a, il a des difficultés. Donc regardez, j'arrête de bouger histoire de l'aider un petit peu parce que moi je suis comme ça, j'ai le cœur sur la main. Et forcément, bon bah je me moque un petit peu, faut se moquer un petit peu. Le monsieur là est en difficulté, on voit qu'il se relaxe un petit peu en faisant des petits signes, etc. Je décide de m'allumer une clope et là il se vénère. Alors soit c'est un anti-tabac, soit je sais pas, il essaie de d'allumer ma clope, il me donne un petit coup de main, je sais pas. Lui aussi a peut-être le cœur sur la main, on sait pas. C'est long. Espérons que dans sa partie se rende compte qu'il est en mode défensif, histoire que voilà, qu'il en profite un peu plus. Je crois qu'il apprécie pas trop les rires. Je lui fais comprendre aussi un petit peu qu'il y a un moment donné. Oui. Mais voilà, il tire quand même, et il tire quand même. Bon, là je l'ai pointé, on est d'accord. On va pas jouer à qui a commencé, hein. Vous pouvez voir que c'est compliqué quand même, parce qu'il se rend pas compte qu'il est en passif. Il n'apprécie pas du tout les rires. Quelques minutes plus tard, le soleil se couche, je décide donc de quitter Valentine pour d'autres aventures, avec un Z comme aventure. Mais qui revoilà, c'est notre ami qui s'est enfin rendu compte qu'il était en mode défensif. Il respawn un petit peu plus loin là-bas, on va aller le voir. On voit qu'il est très chaud, regardez, il tire, il vise, il a toujours autant de mal à viser. Et oui, moi je suis toujours là avec mes balles explosives et mes balles incendiaires. C'est fun. Elle en profite pour shooter le cheval. Sa dernière balle a été pour mon cheval. C'est plutôt triste et c'est plutôt malheureux. C'est difficile là pour Marcel. Et le feu qui se rapproche, mon dieu! Tu vas brûler, Marcel! Oh putain, c'est chaud. Voilà, réanimé dans le feu, merci. C'est impeccable. Et voilà, petit business avec Madame Nazaire. Et on se retrouve avec notre deuxième cas. Voilà, deuxième cas de violence gratuite. Hein. Regardez-moi ce spécimen. Et là, alors au début je me dis, j'ai même cru que c'était le même gars. Mais non, c'en est un autre. La technique de ce jeune homme, une technique discutable, mais c'est une technique. Et regardez, là en fait il tire et je me dis mais il est vraiment mauvais, il est comme l'autre quoi. Et je croyais que c'était le même. Non, c'était pas le même. Regardez le délire, regardez. Bon il a du mal quand même. Et bim, t'es mort. Voilà, Marcel, là, pépère. Il me dit, on va pas rester là parce que ça, c'est encore un relou. Et là, il tire. Mais regardez. Regardez ce qu'il fait. Regardez. Honte. Honte à toi, mon ami. Voilà ce qu'il fait. Le gars, c'est-à-dire qu'il me vise même pas. Mais il est fou, quoi. Donc, je décide de me mettre à découvert. Sinon, je vais perdre Marcel. Et regardez. Il y va. Bon, c'est de bonne guerre, on va dire. Mais le problème, c'est que vous allez vite vous rendre compte que, regardez. Une fois de plus. Mais c'est pas moi qui vise. Il cherche même pas à me viser la tête ou quoi que ce soit. Non, il redéglingue Marcel. Voilà, par contre, c'est le coup du chapeau, j'ai envie de dire. Donc déjà, 2 kills pour Marcel. Ça fait toujours plaisir. Donc c'est toujours un peu galère. Voilà, on a envie de manger son cheval. On a envie de faire voir que, bon, voilà, ça se fait pas. Donc forcément, je prends un peu de temps. Et là, je me dis, mais merde, c'est pas moi qui tire. Et je vois Ed. Regardez là-bas, en face, de l'autre côté de la rivière. Mais oui, ça existe encore. Ça fait plaisir. Ah, il y a un autre joueur qui vient de débarquer et à mon avis, soit il est tombé sur lui auparavant et il a eu le même traitement, soit il s'est rendu compte de ce qui se passait et le gars tout simplement me donne un petit coup de main. Quoi qu'il en soit, c'est le bienvenu. Je réanime Marcel encore une fois. Regardez, il est là-bas. Donc là, on va se faire plaisir. Il dit on est à deux. Un petit invité surprise. Boum ! Explosé. Alors, on va aller voir un petit peu notre nouveau poteau du jour. On va le retrouver vite fait de l'autre côté de la rivière. Ouais, il est planqué là. Il est là. Voilà, tranquillou. Ok. Ouais, je lui fais un petit signe pour faire voir que voilà, on est cool. Et bim! Vous avez vu à gauche là, Marcel? Touché. Par terre. Une nouvelle fois, regardez. Le gars, il cherche même pas à nous tuer. On est à deux sur lui, il cherche même pas à nous tuer. Il tue nos chevaux. Il tue nos chevaux. Regardez.
Donc il me le remet au sol, il n'y a pas moyen que je le réanime, c'est très compliqué. Regardez, en fait c'est le cheval de du poteau, de mon nouveau poteau du jour qui est venu m'aider, qui est également par terre, c'est-à-dire que voilà, il ne fait pas une fixette sur Marcel, il fait une fixette sur les chevaux. C'est ouf hein, de faire ça. Encore que tu le fasses une fois et hop tu traces, bon bah c'est tout, voilà. Mais là, c'est très insistant quoi, c'est relou, hein. On perd tous notre temps, je crois, quand c'est comme ça. Hein. Surtout que, j'ai envie de dire, il y a un moment donné où tu peux tomber, je dis pas que je pour reprendre le commentaire d'une dernière vidéo d'un gars qui avait pas bien compris le but de la vidéo, je suis pas là à dire que je suis bon, hein. Non pas du tout, même au contraire, hein. J'ai plutôt du mal. Mais là, faut savoir que vous pouvez tomber sur des gars. Voilà. On va là carrément, hein. On ne lui enlèvera pas ça, hein. Et franchement, il est téméraire, comme on dit. Mais ça fait du mal pour lui à chaque fois. Enfin voilà, on va pas y passer la nuit. Dites-moi ce que vous en pensez. Lâchez un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne. Tchuss. Ça fait mal, ça.